Le nom d'une société est le socle premier de la construction de l'image de marque. Au cours de son histoire, une entreprise peut donc être amenée à en changer pour accompagner son développement. C'est le cas aujourd'hui de la CGIM. Pour mieux comprendre les enjeux d'une telle mutation, allons à la rencontre de deux experts du changement de nom. Suivez-moi. Rendons-nous tout d'abord à l'Institut Via Voice, spécialiste des études d'opinion, où nous retrouvons Arnaud Zigerman, son directeur associé. De manière synthétique, on peut identifier deux grands types de raisons. Tout d'abord, des raisons défensives. Une entreprise rencontre des difficultés, elle va devoir changer de nom pour essayer de faire oublier son passé. On peut prendre l'exemple récent de l'AFSAPS, l'agence du médicament, qui suite à l'affaire du Mediator est devenue la NSM. On a un autre grand type de raison, qui est une raison plus offensive, ou du moins la volonté d'être en phase avec une nouvelle stratégie assez ambitieuse. Et là, effectivement, on a l'exemple de France Télécom, qui est devenue Orange. Clairement, la CGIM, aujourd'hui, est dans une logique plus offensive, qui est de se développer dans les métiers de l'assurance. Le nouveau nom accompagnera ce nouveau cycle, il sera en phase avec les valeurs. On a vu dans l'étude d'image que ces valeurs d'indépendance, d'exigence, de sécurité sont connues des sociétaires et appréciées. L'ancien nom ne le traduisait pas, le nouveau nom traduira à la fois mieux ces valeurs et à la fois le nouveau cycle dans lequel, aujourd'hui, souhaite se positionner la CGIM. On le voit, c'est donc dans l'intérêt de la CGIM de changer de nom. Mais pourquoi avoir choisi le nom de Galion ? Pour répondre à cette question, direction le bureau d'Antoine Mazurel, directeur associé de l'agence Raison d'être. Alors Galion, c'est avant tout une ambition. À l'image des sociétaires. C'est un nom qui affirme le leadership, qui affirme le professionnalisme et qui affirme aussi une volonté de développement. Quelque part dans Galion, on entend gagnant. C'est un nom qui incarne l'esprit de conquête et qui est rassurant. Mais aussi, en arrière-plan, on retrouve le G de garantie, le A de assurance, le lien, la notion de proximité avec les professionnels, mais aussi la notion de proximité des professionnels avec leurs clients. C'est un nom simple et original, à consonance française. Il est facile à prononcer et à mémoriser. Il parle aussi bien aux professionnels qu'au grand public. Un nom, vous l'avez compris, c'est un élément moteur du changement. La CGIM, en devenant Galion, a pour ambition d'assurer l'avenir des professionnels de l'immobilier. Galion les accompagne dans toutes les étapes de la vie de leur entreprise, en toute assurance.